Bonjour à tous, ici Adouber. Alors, après vous avoir fait des vidéos qui vous montraient Capture One dans son ensemble, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur des outils de Capture One spécifiques où je vais entrer un peu dans le détail, vous montrer comment marche l'outil et en tout cas comment moi je m'en sers. L'outil dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'outil Balance des couleurs. C'est un outil qui va vous permettre en fait deux choses. Soit de simplement contrebalancer une teinte dominante sur une image ou ajuster légèrement les teintes d'une image. Ou en deuxième chose, on peut s'en servir de façon créative pour faire l'équivalent de ce qu'on faisait en traitement croisé en argentique. Je vous montre ça, c'est plus simple en fait avec un exemple. Donc je suis là sur l'interface par défaut de Capture One, hein, je l'ai remise par défaut pour la vidéo, sur cette image là, sur laquelle pour l'instant j'ai uniquement fait des réglages, il me semble, d'exposition, c'est tout ce que j'ai changé. Donc, l'outil se trouve dans, vous voyez cet onglet-là avec les trois cercles, c'est l'onglet couleur. L'outil se trouve un peu plus bas, balance des couleurs. Et le problème de l'outil ici, c'est qu'il est petit. Et pour s'en servir finement, c'est pas terrible. Alors moi, il y a deux façons de s'en servir de façon plus grosse. On peut détacher l'outil simplement en le cliquant dessus et en tirant, l'agrandir. Et vous avez une fenêtre flottante comme ça qui apparaît, qui vous permet d'utiliser l'outil comme ça. C'est pas forcément pratique si vous devez faire ça à chaque fois. Ou sinon, vous allez avoir ça sous le nez tout le temps. C'est la première façon de faire. La deuxième façon, c'est de vous créer. Alors, je vous montre, c'est plus simple. Je vais aller sur mon espace de travail personnel. Ici. J'ai créé ici un onglet d'outils personnalisé qui contient l'outil balance des couleurs en beaucoup plus gros. Je vous explique comment j'ai fait. J'ai fait un clic droit sur les onglets là. Ajouter onglet outils. Personnaliser onglet outils. On lui donne le nom qu'on veut. Moi je l'avais appelé balance des couleurs, je crois tout simplement. On lui donne une icône et on l'ajoute. Une fois qu'il est ajouté, vous allez avoir ici un espace vide dans lequel vous faites clic droit, ajouter outils. Et j'ai ajouté trois fois balance des couleurs. Quatre fois même, le quatrième il est là, mais en réalité je m'en sers jamais du quatrième, voilà, je laisse quand même, c'était pour avoir l'outil dominante, mais je m'en sers pas en fait. En fait, pourquoi je l'ai ajouté trois fois? Parce qu'ici je l'ai paramétré sur les hautes lumières, ici sur les tons moyens et ici sur les ombres, et j'ai accès aux trois en grand sans avoir besoin de changer sur le même outil. D'ailleurs, ce que j'ai oublié d'ajouter sur cette réglette d'outils, sur cet onglet d'outils, c'est un outil calque et je vais le mettre tout de suite. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin d'avoir des calques ici aussi. Donc, comment marche cet outil? Vous allez pouvoir ajouter une teinte aussi bien dans les hautes lumières, dans les temps moyens que dans les ombres. Cette teinte, vous allez pouvoir ajuster sa puissance et ajuster sa luminosité. Je vous montre. Donc là, voilà, j'ai une photo en train de jouer de la basse. J'aimerais lui donner une teinte froide, une ambiance froide un petit peu. Donc je vais prendre le petit cercle qui est au milieu et le tirer vers le bleu. On voit que sur le cercle, je vais du bleu au rouge en passant par le vert. J'ai toutes les teintes comme ça. Donc là, et je regarde directement sur l'image le champ, ce que ça donne. Alors, pour bien voir, on peut le mettre à fond, hein. Là, si je suis sur les rouges, ça donnera ça. Jaune, vert. Là, je vais plutôt aller vers le bleu comme ça. Donc là, c'est à fond. Maintenant que j'ai choisi ma teinte, je vais pouvoir régler sa puissance. Alors, je pourrais régler la puissance en faisant comme ça. Mais l'inconvénient de faire comme ça, c'est que c'est difficile de rester exactement sur la même teinte. J'aurais tendance à bouger un petit peu comme ça. Donc, je peux utiliser la petite réglette à gauche. Si je la mets tout en bas, l'effet est à zéro. Tout en haut, l'effet est à fond. Et donc, je vais pouvoir ajuster. Alors, pour la vidéo, pour que vous voyez bien, je vais le mettre assez fort. Mais je peux l'ajuster de façon très légère, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la réglette de puissance et à droite, une réglette de luminosité. Alors, cette réglette de luminosité, je vous montre. Si je la monte, vous voyez que les hautes lumières de l'image deviennent plus lumineuses. Si je la baisse, les hautes lumières s'assombrissent. Alors, à savoir que cette réglette marche même si on n'a pas mis de couleur. Je remets la couleur à zéro en double-cliquant au milieu. Regardez bien, je peux quand même ajuster. Ce qui fait que si on veut, on pourrait utiliser l'outil balance des couleurs sans mettre de couleur dans l'image, mais simplement pour ajuster les contrastes et la lumière et la luminosité de l'image sur les hautes lumières, les tons moyens et les ombres. C'est donc on peut
gérer. Il me semble d'ailleurs que des photographes le font, gèrent les contrastes de l'image avec cet outil. Et ça marche très bien. Regardez les tons moyens. Double-clic remet la valeur par défaut. Les ombres. Pareil, un double-clic remet la valeur par défaut. Voilà. Donc on peut s'en servir en fait sans s'occuper de la partie couleur. Bref, là moi je suis là pour mettre de la couleur. Donc je mets du bleu. J'ajuste la puissance. Donc avec la haute lumière, j'ai mis du bleu. Dans les ombres, dans les tons moyens, pardon, je vais mettre aussi du bleu. Mais, je vérifie, je choisis ma teinte. Mais moins fort. Là, j'ai envie de le mettre moins fort que dans les hautes lumières. Et dans les ombres, je pourrais soit partir sur la même teinte, avoir une photo toute bleutée, ou partir dans la couleur opposée, plutôt vers les oranges, pour avoir une opposition, vous savez, des couleurs, les couleurs opposées, hein, une opposition entre le bleu dans les hautes lumières, qui donne une teinte froide, et le orange dans les ombres, qui donnera une teinte chaude. Pour le coup, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, mais je choisis mon orange. En mettant moins de force au orange qu'au bleu, parce que je veux quand même que le bleu soit dominant sur l'image. Je m'aperçois que je vous ai montré tout ça sans le mettre dans un calque. Alors on n'est pas obligé de le faire sur un calque, hein, on peut très bien rester sur le calque de fond comme ça. L'avantage de le faire sur un calque, je vais remettre tout à zéro. Il suffit de cliquer sur la flèche là, sinon voilà, j'ai mis tout l'outil à zéro. Je vais créer un calque. Nouveau calque rempli, on voit si j'appuie sur M que le calque prend bien toute l'image. Je vais appeler balance couleur. Et je vais refaire très vite fait mes modifications sur ce calque. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut être pas mal de le faire sur un calque. Voilà, c'était à peu près ça, de toute façon on est là, c'est juste pour la vidéo. Voilà, donc j'ai refait mes modifications sur le calque balance couleur. Quel est l'intérêt de le faire sur un calque? D'une part, si je ne voulais pas que cet effet affecte. Ah, comment je montre le masque en rouge, c'est avec la touche M. M comme masque. Vous pouvez vous dire M comme montrer aussi. Si je veux, je peux appuyer sur E, comme eraser, hein, la gomme. Je vais mettre une gomme. Et dire je ne veux pas que cet effet affecte ça, par exemple. Et on voit que l'effet n'affecte pas cette partie. CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc le fait d'être sur un calque permet déjà d'une part de n'affecter ce qu'on a fait qu'à une partie de l'image. D'autre part, vous avez des pouvoirs, une fois que vous avez fait votre effet en entier, vous allez pouvoir jouer sur son opacité. Si je trouve l'effet un peu trop fort, je peux, vous voyez, entièrement l'enlever ou le remettre graduellement. Et ça va le faire pour les trois. Donc très très pratique ça, d'avoir l'opacité. Et si je veux simplement voir ce que donnait mon image avant que je fasse les effets dessus, je peux décocher le calque. Donc sans le calque, avec. Il y a deux autres façons de, comment dire, de voir l'image. Il y a une autre façon, pardon, de voir l'image sans que l'outil soit qu'on a travaillé soit appliqué. Ici, vous voyez cette petite flèche là. Alors elle vous sert à réinitialiser carrément tout l'outil balance des couleurs. Donc si vous cliquez dessus, en fait, ça va tout remettre à zéro. Mais si vous laissez appuyer la touche Alt sur votre clavier, alors sur Windows, hein, sur Mac, ça doit être une autre touche, je ne sais pas. Je laisse appuyer sur Alt, je laisse cliquer. Et là, on voit que l'effet s'est remis à zéro. Je relâche, l'effet est de nouveau visible. Donc ça permet de. On peut faire ça sur tous les outils de Capture One. Hein, on a cette petite flèche en haut de chaque. Ça permet à chaque fois de simplement voir qu'est-ce que ça donne sans les réglages qu'on a fait. On peut aussi le faire sur cette flèche ici. Là, pour le coup, ça va vous montrer la photo. Je vous montre, je laisse appuyer sur Alt, je clique, sans aucun réglage d'effectuer. Ça vous montre la photo de base avant que vous fassiez des retouches dessus, en fait. Et vous relâchez, vous revenez. Ça permet de faire un petit avant-après. Voilà. On peut aussi faire un avant-après de façon différente. On peut faire un clic droit sur l'image dans les vignettes, créer une variante, etc. avant de la modifier. Se faire une variante si on veut. Voilà, enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est une façon très simple. Et les calques sont une autre façon en décochant le calque, tout simplement. Bref, je pense que voilà, je vous ai montré comment fonctionne cet outil. Il peut servir dans tous les types de photos. Là, moi, je m'en sers sur du portrait, mais ça marche très très bien pour du paysage, pour de la macro, pour tout en fait, hein. C'est un outil très puissant. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai de l'outil qui s'appelle
l'éditeur de couleurs. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt!